l'école. Ouais. Je suis trop over après deux trous. Si je fais pas le faire à ce trou-là, je suis pas. La langue pendant. On a tout du stock? Non. 165 grammes. Ma mère qui m'a expliqué. Comment ça? On va faire ça. Ah, tout c'est un faire 5 que je prenne, mais là, avec l'erreur. Non, non, même là, je crois pas. Ah, moi aussi, je suis cassé. Faut voir si tu plus derrière. Dans le bois. Où tu vas, le cul? Ouais, t'as rien? Non, mais ce serait le fun si on venait par exemple. Ouais. Vas-tu traîner dans le métro? Bon, c'est un peu niaise. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va essayer que ça passe de l'autre fois. En même place? Mais non, on te tape en même place. Je trouve un nouveau spot, ça te tente d'essayer? Ok. Ouais. Oui, madame. Je voudrais 3 livres de steak haché emballés séparément. Et une douzaine de chops de porc en paquet de 3, s'il vous plaît. Ouais, ça sera pas long. Tu le vois bien, il a tout fait tomber, Can. J'ai pas fait exprès, je me sens caché dedans. Hein? Là, ta commande. Ah, j'ai oublié mon argent chez vous. Oh. Je vais aller chercher puis je reviens. Tu es maudit, va. Puis je veux plus t'avoir ici, compris? Ça doit être 17 piastres. Mais prends ton change dans le cas, j'ai pas le temps. Je dirais que vous êtes tous donné le mot pour un petit gars de la même journée. Pour personne ne servir au pont. Quelqu'un me lâche un matin, le petit baptême. Ils frappent tout le temps des niaiseux, ils sont pas capables de se dégrotter le nez tout seul. C'est vrai que les pains sont pas margeux. Ben, toi, ça va faire. Okay. Oh, ça, j'ai d'ouvrage. Par-dessus la tête, j'ai pas le temps de travailler sur mon char. Hey, j'ai. Tu tires là-dessus, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. L'intervenant de rue ou le travailleur du milieu, c'est quelqu'un qui arrive là d'abord avec un code d'éthique puis avec des objectifs clairs. Un de ses objectifs primaires, c'est la prévention sur le terrain. Donc, quand tu es là, tu es voué. Quand tu es voué, tu les accompagnes. Quand tu les accompagnes, tu peux parler avec eux autres, les informer, les accompagner, les référer, pardon, d'une façon personnalisée. Parce que un des objectifs du travailleur de rue, de milieu, c'est d'être le joint ou le lien entre la vie, le tous les jours des jeunes, puis les ressources plus traditionnelles, que ce soit au niveau des maladies transmises sexuellement, au niveau de l'abus des drogues, des conséquences, des problèmes d'hébergement, de manger. L'intervenant de rue a un mandat social. OK, très tôt, j'ai commencé par des petits vols, des vols à l'étalage.
tout ce que je volais à l'étalage, c'était pour ma... Disons qu'on restait sur une terrasse, je me souviens bien. Il y avait plusieurs blocs appartements. Puis moi, je volais tout ce que tu avais de besoin. Tu me demandais ce que tu avais de besoin, puis je te sortais tout. J'avais quoi? 8-9 ans. Puis, que ce soit souliers, vêtements. À un moment donné, c'était télévision, système de son. Là, je me suis aperçue que c'était pas payant parce que sortir une télévision dans un centre d'achat, c'est bien mieux d'aller voir un magasin de... qui avait juste des systèmes de son, des télévisions, voler à la vanne, au lieu de voler le petit magasin, de risquer de te faire pincer pour une TV, de se mettre à te faire pincer pour une dizaine. Puis c'était ma façon de voir, c'est toujours de grossir, puis de grossir mes coûts, puis ça est de plus en plus payant. À un moment donné aussi, le fait de faire mes vols tout seul, je vais commencer à essayer de faire des vols d'auto, mais ça, je n'étais pas bonne, je n'étais pas capable de les conduire. Stand-up, je restais poignée en milieu de la rue. Ah, oh, lâchez-vous, mariez-vous. Ah, ta gueule. Moi, je m'en suis trouvé une. Regarde ce que t'as trouvé aussi. Wow, calme-toi les hormones. C'est dangereux, ta blonde. Oh, wow. As-tu vu la belle poupée? Tu t'en mon gars, la batterie? Ouais, ça fait fort. Oh, wow! T'es chic à soir, t'es souhait! Party, vous pourriez garder pour vous autres. Vas-tu au neuf, à bien de neuf? Non, j'ai un rendez-vous. Bon, ouais, ton dealer? Ouais! Vous, ça fait rien, mais vous courez après le trouble. Hey, ça dépasse pour nous autres. Mon Gilles, tu nous en parles, hein? Hey, Gilles, t'aimes ça prendre soin des petits fuckies? Pas si, il y en a un là-bas. Gilles! Ah ouais, Gilles! Toi, Gilles, vas-y! Bye-bye! Bon, les locs de mat! Ma bonne, mais... Mais il y a un unique. Bonne bonne, pas bonne, mais... Bonne, Bye. On va prendre un café. Viens, Fernand. Tiens, assis-toi ici. Un autre café, ça nous ferait du bien, je pense, hein? Ouais. Je te remets, ça va, là. Voilà, ton rendez-vous? Non, j'ai pas eu le temps, j'ai trouvé Fernand. Normand a téléphoné, il était pas content pour arrêter pour rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hé, hey, Gilles, es-tu bien loin, cette place-là? Où ça? Ça, non, tu peux y aller en métro. La vie de la vaisselle, c'est pas marcheux. Ah, oh, c'est cool. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? On va l'appeler une autre fois. Non, laisse faire, je vais m'en occuper. Allez, ça. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Ça va-tu mieux? Ouais. Gilles? Il vient d'arriver en ville, puis il n'y a pas de place au coucher. Madeleine, je te l'ai dit, le refuge, c'est pas un hôtel. Ben oui, mais il n'est pas pour coucher sur le trottoir. Il reste-tu de la place? Je pense qu'on peut s'arranger au rasoir. Bon, au deuxième. Comment se trouve ça, Lysine? Non, je sais pas si peux. Quand on aura fini, je vais te reposer, OK?
vais dire à ma mère. On va trouver quelque chose en route, inquiète-toi pas. Laisse-moi, je vais y aller. Essaye donc pour voir. Et encore, il y a des petits jeunes comme moi, à 8, 9 ans, 10 ans, peut-être un petit peu plus vieux, mais plus nono, qui seraient capables de les faire pour moi, les votes. Fait que je vais à l'école, surtout, la plupart des jeunes, j'ai pogné à tout à l'école. Je leur demandais, ils me disaient, ben Linda, j'ai pas d'argent, passe-moi 10 piastres, passe-moi 15 piastres, 20 piastres. Vers la fin de l'année, ils me devaient à peu près 500-600 piastres, je disais, ben... Faudrait une paye. Je savais bien que le petit jeune, il se sniffait de temps en temps, il travaillait pas, il allait à l'école comme moi. Je savais bien qu'il n'y avait pas d'argent. À ce moment-là, je repérais des maisons, des magasins ou des vannes. Je repérais, j'avais des contacts. Disons que je connaissais une couple de gardiens de sécurité à un moment donné. Des fois, je connaissais le boss de la. Du magasin où je savais les heures d'ouverture, les heures de fermeture, quand est-ce qu'il faisait son cash, ces choses-là. Fait que j'envoyais les petits jeunes, t'sais. Elle est là à telle heure. Vous êtes sûr que vous allez pogner de quoi, que ce soit le système de son ou la vanne qui était après chargée. Partez avec la vanne, c'est pas compliqué, t'sais.